Bonsoir tout le monde! Bienvenue pour un nouvel épisode sur MGS5. On va continuer. Donc aujourd'hui, normalement, je suis censé secourir des soldats de ma Mother Base qui ont été kidnappés, emprisonnés en Afrique. Donc ils sont dans le camp de Kiziba. Le camp de Kiziba, on l'a fait il y a pas longtemps. Voilà, c'était... Bah, c'était la... Attends... C'était laquelle mission? Voilà, c'était la mission là. Il fallait récupérer le vicomte. On avait déjà fait le Kiziba camp. Le camp Kiziba. Donc là, on va y retourner pour sauver nos deux membres de l'équipe de renseignement. En espérant ne pas avoir trop de coucougnettes sur le chemin, que ce soit une mission assez simple à faire, ce serait bien pour moi. Alors j'ai de nouveaux trucs. Oui, j'ai un nouveau bras normalement. Niveau arme, j'ai rien à dire. Je vais reprendre Quiet. Parce qu'en fait, apparemment, si j'utilise pas D-Dog depuis un certain moment, le lien que j'ai avec D-Dog diminue. Donc, je suis obligé de reprendre de temps en temps. Voilà, D-Dog. Là c'est bon, je vais pas prendre de véhicule, c'est pas une grosse mission. Oups. Et on va lancer la mission à 18h, comme d'habitude maintenant. De toute façon, je pense que je ferai ça à chaque fois. Faire la mission... Bon. C'est vrai que ça peut être chiant de faire tout le temps les missions de nuit. Mais bon. Oh, j'en ferai peut-être une de temps en temps, de jour, quand même. Mais t'arrêtes un peu. J'ai plus de manette. C'est génial. Enfin, j'ai un faux contact dedans. C'est super chiant. Voilà. Sauvetage, agent renseignement. Bon. Je pense franchement que c'est une petite mission qui est assez simple. Donc voilà. La corne, elle est vraiment ressortie, je pense. Ok. Donc celui qui est encerclé serait déjà le premier à sauver. Ok. Le pire c'est que c'est je crois que c'est même pas des soldats qui sont bien gradés. Ah, ça c'est intéressant ça. Voilà. La manette qui réagit pas, c'est génial. Alors, donc, lui en priorité. Ce que je vais faire, c'est je vais demander à Quiet de faire une reconnaissance dans le camp. Comme ça, elle va me permettre de savoir où se situent les soldats. Ce qui est bien. Donc je vais faire ça. Et moi, je vais aller me jeter sur le soldat qui est encerclé. Et essayer de le sauver le plus vite possible. Si je pouvais voir... Ouais, 400 mètres, faut pas déconner non plus. Là, il y a Quiet qui est en train de partir. En fait, je vais arriver en plein dans le camp ennemi. Alors, en espérant que Quiet me remarque où est le prisonnier. Parce que je me suis rendu compte que... Il y a une belle Jeep, là. Je me suis rendu compte que par moment, Quiet ne reconnaît pas... tous les soldats. Quand je lui demande de faire une reconnaissance, elle fait la zone propre quand même, mais parfois il y a un ou deux soldats qui ne sont pas, qu'elle ne reconnaît pas, et ça c'est pas cool. Donc là je vais pouvoir me barrer normalement tout tranquille. Si c'est bon, elle l'a déjà repéré, il est là-bas. Ok, donc ça c'est fait. Mais d'abord celui-là. Ouais. Là-bas. Bah, toi, tu me dis qu'il est là-bas, donc... je peux considérer qu'il est là-bas. J'entends une putain de Jeep. Un papier.
C'est quoi le papier? Ah non, c'est un Tokiwoki. C'est un Toki. Alors. Il est où mon pépère? Ah, s'il est loin, ça va être chiant. Intel file obtained. The TARDIS transmitter. They must have dropped it trying to contact us again. Judging from its data log, not much time has passed since the transmitter was dropped. He should be close by. I'm updating the target's predicted field. Oh là là. Voilà, déjà ça s'est fait. T'es bien noté toi? Ah, un peu décevant. Lui, il va déclencher le mode réflexe. Attention. Eh ben même pas. Ok. Alors, tu m'indiques où la cible? Le problème c'est qu'il n'indique pas. Tomber, il y a peu. Tomber, il y a peu. Là, il y a une Jeep, c'est pour moi. Mec. Merde. Oh, puis fais dodo. Voilà, fais dodo. Collant mon petit frère. Oula, lui. Il... Oh, lui, il est bien. Alors, on va le récupérer. Est-ce que quelqu'un va tirer? Non! Hop! Si j'arrive à tous les endormir, franchement, j'aurais fait quelque chose. Oh oh! Lui, il est bien, lui. Faut que je fasse gaffe, faut que je fasse gaffe. Faut que je l'arrête. Voilà. Ok. Oh, c'est que ça devient compliqué là, hein. Il est où mon pépère? 36 000 soldats qui sont en train d'arriver sur la zone. Putain, c'est des bons soldats. Eux. Oh, il parlait français. J'ai entendu, t'inquiète pas. Là, ensuite, toi. Je vais te dire où sont les prisonniers. Ouais, c'est bien. Merde. Je vais le tuer. Parce qu'il a des armures, ça qui est chiant, c'est des trucs par balles et tout. Où il est le pépère, c'est pas possible. Puis tu, forcément tu peux pas faire de la réco. Pourquoi tu marques je suis plus dans la zone, c'est ça? Ouais, mais voilà quoi. Paf. Je vais éviter qu'il se réveille. Pas tranquille, j'entends quoi, y a de qui chante. Toi. Oh allez, toi je vais te prendre par contre. Parce que apparemment t'as un truc, t'as une qualité, ça me va. Il a fait tomber il y a... En fait, j'aurais dû prendre D-Dog. Pour le coup là. Parce que D-Dog, il pourrait me dire où est le prisonnier tout de suite. Attends, attends, attends. Sortez-moi d'ici. C'était mon gars, ça! Attends, ça vient de là-bas. Où il est? Enemy presence detected.
Là-bas, c'est quoi? Putain, c'est encore un seul ennemi. Putain, je l'entends! Le pire, c'est ça, quoi! J'entends mon mec, mais je le... Putain, il est là, quoi! Dans un arbre? C'est pas possible! Il peut pas se bloquer dans un arbre! J'hésite presque, en fait, à... Oh, allez, on va faire. Soutien coéquipier, on va demander à D-Dog de venir. Juste là. Je le trouve pas. Donc, tu vas voir que c'est au moment où je demande à D-Dog de venir que le con là, je vais le trouver. Eh mec, voilà, crash. Ah, y'a pas moyen, hein. Je suis aveugle complet. Alors, ça y est, Vlad D-Dog. Alors, aide-moi. Putain, il est là. Voilà. Ensuite. Pourquoi il y a un point Ah, il y a peut-être d'accord. Bon. Je vais déjà aller sauver le mec là. Je crois que c'est pas mon gars, mais c'est un autre prisonnier. Et après tout, pourquoi pas. En plus, il a l'air d'avoir absolument personne. Ouais, c'est-à-dire. Cool. Bien. Là. Je cherchais mon gars. Il est là. Il est peut-être bien, hein. C'est bon, c'est un petit prisonnier. Oh, ça se fait. Ça se tente, ça se tente. Voilà, puis alors là, je sais où est le prisonnier. Il est là-bas. Ah. On va voir. Oh. Oh, bien, à plus. C'est bien, ça. Oh, bien. Oh, joli, le headshot. Très, très joli. Donc, toi. Oh. C'est assez décevant. On va avancer. Ah. Voilà. Voilà. Maintenant, ils utilisent des leurres, les camps ennemis. Donc c'est juste des pauvres trucs en plastoc, hein. Ça fait absolument rien. Ça peut, il n'y a pas d'explosifs dedans et tout, mais non. C'est juste pour tromper ma vigilance. Ils ont mis des putains de leurres. C'est tout. Il commence réellement à avoir du matos, hein. Ah putain. Oh oh, ça veut dire que j'ai intérêt à me bouger le cul. C'est clair. Si, mi oui, c'est clair. Alors, toi, tu... comment ça, toi tu fais pas dodo? J'ai dit que toi tu fais dodo, parce que comme ça, toi qui est là, tu fais dodo. Comme ça, toi, t'es trop loin, donc tu vas pas réagir. Ça, c'est bien. Bon, je vais quand même m'intéresser plus particulièrement à ma cible. Bordel de merde! Je suis repéré. Oh, j'ai intérêt à me dépêcher. Oh, que j'ai intérêt à me dépêcher. Oh putain, faut que j'appelle l'hélico.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Rendez-vous là. Wouhou! À fond les mecs! À fond les ballons! Putain, le mec il est complètement blessé! Oh vache! Où est mon chien? Reviens. C'est bizarre, je comprends absolument pas ce qu'ils disent alors que normalement je suis censé comprendre! Non! Ah là là là! Bon, j'ai quand même recruté 2-3 personnes sur le chemin. Hein. Donc c'est bien. J'ai fait mon objectif. C'est tout ce qui compte. Digog est derrière moi. Le camp est trop loin, ils m'attaqueront pas. L'hélico est juste là. Ça va. What? Hey! Pourquoi tu te barres? Wow! Je t'ai pas demandé d'attaquer? Il y a des drôles de bugs, hein. J'ai plus les sous-titres. Maintenant que ma manette s'est éteinte. C'est très bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des petits bugs. Et c'est pas cool. Donc maintenant j'extrais mon bonhomme. Voilà. Tâche accompli 3 sur 6. Ah bah y'a intérêt hein. Nous avons intérêt à me remercier. Oh, c'est moi qui fais le boulot. Ah oh bah je suis parti hein, là vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez, vous me trouverez jamais. Il était sous mon nez quand même le mec hein, j'ai pas. J'ai vraiment des yeux de merde. La croix du service, ça doit être les deux qui sont fait emprisonner, qui reçoivent la croix pour ce qu'ils ont fait. Papillon mauvais, tête de soutien, je sais que ça. Rang A, ouais, c'est sûr j'aurais pu aller un peu plus vite. Tout ça c'est bon. Petite cinématique peut-être, non? Je sais pas, ils vont peut-être donner des informations sur le les FAC. Voilà, voilà, j'ai du A+, hein, normal. Après tout. 5. Des A et des B. Ok. Pas mal. Revenir à la mission. Même pas. Je suis tenu. Ah, pourquoi? Oh. And there's another contract I'd like you to handle. It's a wet job, but we need to divert Cypher's attention. Check the mission list for the details. C'est quoi? Méfions-nous du sang qui dort. Éliminer les 6 soldats rebelles Mbélé, prisonniers de la tribu Bouta dominante, pour les empêcher de parler. Le commandant d'une SMP, connu sous le nom de Major, répand une rumeur sur la vente d'armes nucléaires. Suivez son subordonné et éliminez le Major. Oh bah putain, c'est une mission sympa ça. Je vais pas pouvoir faire ça tout de suite. Ok, j'ai des récompenses. Bah oui, j'ai dû finir une petite mission. Voilà. Putain, c'est... c'est... Moi je les virerai plus tard. Un petit déploiement de combat. Un très rapide, ce serait bien. 33 minutes, c'est bien ça. Voilà. Alors, est-ce que je peux pas faire une mission secondaire? Une mission de déminage. Ah! Oh, j'en ai une autre là. Prisonnier 09. Donc, ça c'est en Afghanistan. Ah, bah j'ai que ça. Bah, j'ai fait un déminage parce que le déminage c'est assez rapide. Et je vais faire ça avec D-Dog parce que D-Dog marche, est vraiment le plus utile pour faire ça. Je vais garder les armes que j'ai. Bah, on peut faire ça 2 jours, au pire c'est pas grave. Parce que le déminage en fait, je crois que j'en ai pas encore fait en épisode. Sur un chemin, et c'est souvent pas une route,
les soldats ennemis, donc ici ça va être les soldats soviétiques, ont posé des mines sur le chemin. Alors pour moi les mines c'est des claymores, mais ils appellent ça des mines. Donc apparemment c'est que ça doit pas être la même chose. Et le but d'une mission déminage, c'est juste d'enlever les mines. Donc je trouve c'est des missions qui sont assez simples, surtout avec D-Dog, parce que D-Dog repère l'emplacement de chacune des mines. Alors que si je le prends pas, je dois regarder le petit, la petite lumière rouge des mines pour les repérer. C'est un petit peu plus compliqué. Alors que là, c'est une mission qui se fait en 30 secondes, quoi. Donc ça va me permettre de faire ça vite fait, récupérer l'argent. Je suis bien payé quand même. Et puis voilà. Bon bah apparemment il fait nuit. Hein. Non, ça doit être le petit matin. Oh, je sais pas trop. Mais bon. Et puis peut-être que je vais aller dans le camp là. Il y aura peut-être. Il y aura peut-être. Un ou deux soldats ennemis qu'on peut récupérer. Qui sait? Voilà. Déjà on va récupérer les plantes. Important, j'ai pas souvent vu d'utilité pour l'instant pour les plantes, j'en ramasse énormément, mais il n'y a personne. Ça m'étonne. T'as repéré un ennemi quand même. Ah oui, quand même. 2, 3, 4. Ah, ça va, j'allais dire y a personne quoi. Alors. Oh, A plus, plus, A plus, C, et toi là-bas, B. Il y en a deux qui me servent à rien, et il y en a deux qui m'intéressent. Ça y est, il a déjà repéré les mines. Donc, ça c'est pour le déminage. Alors, bah. Voilà, ça va alerter. C'est ce que je veux, hein. Je veux qu'il soit alerté, c'est comme ça. Voilà. Boum. 2-2. Ah! Le. Oh, dis donc! 1. 2-3. Et 2-4. Parfait. Alors, c'est lesquels qu'il me faut? Toi et toi. Doucement, D-Dog, doucement. Je sais que t'es excité à l'idée de trouver des mines, mais. Je vais récupérer les mortiers. Il n'y en a pas beaucoup qui servent pour la base, pour la défense de la base. Mais il y en a énormément qui sont utilisés pour les bases FOB. Alors ça, je peux pas encore les faire. J'y suis pas encore dans le jeu, à l'endroit là. Où c'est que t'as repéré les mines? Ah d'accord, elles sont là-bas. Elles sont pas indiquées comme ça sur la carte. Il faut... Oh bah merde. D'accord. Ah voilà, on voit une. Putain, il est dessus quoi. Donc ça c'est une mine. Je suis allé un peu trop vite, je pensais qu'elles étaient plus loin. Là ça va parce que c'est plutôt ouvert comme zone. Donc voilà. Normalement il faut chercher la petite lumière rouge là. Et après, il faut aller chercher. Récupérer toutes les mines. Ici c'était plutôt facile. C'est une zone ouverte. Mais quand il y a des bâtiments et tout ça, moins facile à retrouver. Il y a une mission, j'ai un peu galéré, j'avais pas D-Dog. Bah, pour trouver toutes les mines, j'avoue que... Voilà. Là, hop, il en reste plus qu'une et c'est celle-là. Et voilà, mission terminée. Ça fait 90 000 quand même, hein, juste pour ça. Et voilà, j'ai réussi ma mission, je suis content. Et c'est tout. Alors j'espère que l'épisode vous a plu. La prochaine fois, bah du coup, on va tenter la prochaine mission principale. Donc, celle-ci. Qui risque d'être assez violente. Hein, se éliminer les 6 soldats rebelles. Je pense que je vais les récupérer. Mais... risque d'y avoir du meurtre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à commenter aussi, si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, si vous voulez voir la suite de ce let's play. Puis ça me fait très plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir regardé. Salut !